vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Frères et sœurs, pour nous, je crois, le carême est associé à la conversion, aux efforts, à la cesse de la vie chrétienne, et il précède le temps pascal qui est l'explosion du printemps, de la joie de la résurrection, des chants et de la fête. Et l'avant, bah, c'est la, la douceur, c'est la chaleur du foyer, c'est l'intimité familiale au cœur de l'hiver. Et si on reste à ces catégories qui ne sont pas fausses, mais qui sont un peu simplistes, Comment accueillir l'Évangile de ce dimanche, qui est un appel à la conversion? On n'est pas, pas en carême. Et comment accueillir euh, les lectures qui nous appellent à la joie? On n'est pas autant pascal. C'est un drôle de mélange qui nous est proposé. Et bien ce mélange est justement celui qui fait la nature profonde de la conversion. La conversion n'est pas la tristesse. D'ailleurs, l'ascèse chrétienne n'est pas une assaise sombre et triste, elle n'est pas un fardeau. Alors regardons la pédagogie des textes de ce dimanche. Nous avons d'abord une lecture qui nous vient du prophète Baruch. Baruch, c'est le secrétaire du prophète Jérémie. C'est la période dramatique, la plus noire de toute l'histoire d'Israël, qui est celle de l'exil, où le peuple a perdu tous les dons de Dieu, la terre promise a été perdue, le roi demandé à Dieu a été perdu le temple euh, construit par Salomon a été perdu, et voici que le peuple lui-même est déraciné, en exil à Babylone, très loin de chez lui, et on a un écho dans les psaumes notamment, mais pas seulement, de la grande tristesse, de, qui, qui, de la nostalgie qui lui ronge l'âme. Et je crois que nous devons commencer ce, ce, ce dimanche, ou cette deuxième semaine de l'Avent, en retrouvant le sentiment de cet exil, qui est vécu comme une impasse et comme un châtiment dont on ne peut pas euh, espérer une heureuse résolution. Ces fichus, ils ont tout perdu. Et si nous manquons à la joie de Noël, si nous avons du mal à entrer dans la joie de Pâques, je crois que c'est parce qu'essentiellement nous ne faisons pas cet effort de reconnaître que nous sommes dans une impasse et que s'il ne tient qu'à nous, eh bien tout est perdu. Et ça correspond tout à fait à la lecture, puisque euh, l'exil a été interprété par Israël comme une conséquence de son péché. Et donc, si on a rejeté Dieu, si on est coupé de Dieu, qui donnera le salut Comprenez quand, quand tous les problèmes de la vie qu'Israël qu a connus et la, la royauté lui en a fait connaître des problèmes, hein bon, mais que, quand le Seigneur est là, bah, il agit, on, on crie vers lui, il tend la main. Mais quand on a rejeté le Seigneur, de qui est-ce qu'on peut espérer le secours C'est fichu. Et donc Israël est en exil en se disant, c'est fichu. Et cette souffrance-là devrait être la nôtre aussi. Cette souffrance-là devrait être la nôtre quand nous prenons euh, la euh, conscience de notre condition de pécheur. On ne peut pas se convertir si on ne voit pas qu'on est perdu, si on voit pas qu'il n'y a pas d'issue. Et c'est ainsi que Israël a commencé à voir grandir en lui euh, le désir du salut. Concrètement, dans, dans les situations historiques, cela se, concrète, cela se manifeste par un désir de revenir à Jérusalem. Mais spirituellement, c'est revenir à Dieu. Revenir à Jérusalem, c'est revenir à Dieu. La première chose, d'ailleurs, que les déportés feront en rentrant à Jérusalem, c'est de construire non pas le temple, qui est en ruine, mais l'autel du temple, pour recommencer la liturgie sacrée. Donc c'est un désir de, de salut qui est un désir de retour à Dieu. Et là, contre toute attente, et c'est pour ça qu'il y a des rires, et, et c'est pour ça que la, la cohorte du peuple est dans la lumière de la joie, eh bien Dieu agit encore. Quand tout est perdu, même quand on a rejeté Dieu, Dieu peut encore agir. Il agit par sa parole. Et, et c ce statut de, de la parole est mis en avant dans l'évangile et dans la lecture. Tout être vivant verra le salut. Oui, mais pour entendre la conclusion de l'évangile, de, de cette parole sublime, tout être vivant verra le salut. Mais il faut l'attendre. Et il faut croire qu'il est impossible par nos propres moyens, par nos propres forces. Il ne peut être que donné. Quand on est dans cette attente, quand on mesure son impasse, alors on peut entendre la parole qui nous rejoint et qui nous dit, tout être vivant verra le salut. Et la parole vient. La parole vient à Jean dans cette magnifique et solennelle introduction que fait Saint-Luc dans l'évangile d'aujourd'hui. La parole vient à Jean dans le désert, c'est-à-dire dans le lieu de la pauvreté la plus radicale. Il n'y a rien dans le désert, rien du tout. La parole est là et elle rejoint le désir de l'homme en lui donnant le salut qu'il attend, mais d'une manière qu'il ne pouvait pas imaginer. C'est-à-dire qu'elle se donne à voir. Tout homme verra le salut. Elle se donne à voir, elle se donne à toucher. C'est-à-dire qu'il y a une transition sublime qui se fait là, qui est le passage du désir du salut au désir du sauveur. Et ce passage-là, c'est la bascule de la conversion que nous devons réactualiser ou nous réapproprier ce dimanche et cette semaine. Et vous voyez bien le, le sens de, de Jean-Baptiste, hein, il, il dit bien, il, il, il appelle à un baptême de conversion, c'est un baptême, le, le mot euh, baptizo, le mot en, en grec, c'est le mot qui veut dire plonger. Il n'y a rien à faire, il faut plonger. C'est un, un déséquilibre qui fait que l'on plonge. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous d'accueillir la conversion c'est qu'on passe notre temps à essayer de, de tout maîtriser, de, de rétablir nos petits équilibres, de, de nous appuyer sur nos petits équilibres que nous construisons artificiellement. Eh bien la conversion, non, c'est l'abandon. Métanoia, c'est le, le changement de la manière de penser, c'est le changement de l'esprit, c'est le changement de la pensée. Il faut arrêter de compter sur les anciens repères, de nous appuyer sur les repères du monde ancien et, et rentrer de plein plié dans le royaume, pas par ce plongeon qui fait que, l'audace, dépend de notre manière de nous appuyer désormais sur la parole. Il faut se risquer sur la parole et s'exposer à l'action de Dieu qui réalise le salut d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Et comment est-ce qu'on fait pour plonger Comment est-ce qu'on fait pour accueillir ce déséquilibre Eh bien, on regarde l'action de Dieu, qui se décrit dans le prophète Baruch le Seigneur aplani les ravins. Il comble les ravins et il aplanit les montagnes. Autrement dit, il fait un travail de voirie. Il construit une route ou une autoroute, une infrastructure qui rend le chemin qui n'existait pas, qui crée le chemin et qui rend le chemin facile. Eh bien, le travail de conversion qui nous revient, justement, consiste à participer à ce grand travail de voirie. Il faut, faut regarder le paysage, où est-ce est qu'on en est, enfin, qu'on en ressemble. Il faut repérer les montagnes, c'est-à-dire euh, euh, l'argent, le plaisir, le pouvoir, euh, la vaine gloire. Euh, quelle, quelle place tous ce, ces faux dieux, ces substituts de dieux ont dans notre vie Et Il faut aplanir ces montagnes-là. Il faut changer les équilibres. Il faut les remettre en question et entrer dans, dans un déséquilibre qui nous fait basculer dans les valeurs du royaume. Il faut repérer les ravins aussi. Tout, il y a des manques Où est-ce qu'on en est de, de la pratique de la prière, de l'aumône, de la charité Et s'il y a des manques, eh ben, il, il faut combler ces ravins. Il faut prendre des décisions concrètes qui, qui font que la prière ou les actes de charité vont prendre la place qu'ils devraient avoir dans notre vie. Donc vous voyez frères et sœurs, le, le mécanisme de la conversion qui nous est demandé pour ce temps de l'avant se passe dans la joie. Mais il se fonde sur la reconnaissance de notre propre impuissance à sortir par nous-mêmes de l'impasse dans laquelle nous nous sommes fourrés, de laisser grandir en nous le désir suscité par la parole qui annonce la fidélité de Dieu et d'accueillir l'action de Dieu. C'est lui qui fait les travaux de terrassement, d'assainissement, c'est lui qui le fait. Mais il le fait, mais pour cela, il nous faut accepter qu'il fasse la vérité. C'est les fondements, c'est les soubassements de son travail de voirie. Et donc il nous faut reconnaître le, le paysage, discerner où sont les montagnes à aplanir, où sont les, les ravins à combler. Et alors, bien, comme, comme nous l'entendons dans la lecture, il les conduira dans la joie, à la lumière de sa gloire leur donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Notre premier contact avec la, la joie de Noël est de la montrer dans le rapport de proportionnalité qu'elle entretient avec la souffrance d'être en exil, la reconnaissance d'être en exil et la souffrance d'être loin de notre patrie qui est le cœur de Dieu. Il n'y a qu'en acceptant de faire cette vérité-là qu'on peut se laisser surprendre par la joie qui fait irruption par la parole qui se révèle à nous d'une manière complètement inattendue. Elle se laisse voir, elle se laisse toucher, elle se laisse approcher, et elle agit en changeant complètement le paysage de notre vie. Tout devient une occasion de nous conduire à Dieu. Le Seigneur trace dans nos paysages intérieurs le chemin vers la vie nouvelle. Frères et sœurs, soyons dans la joie, la joie de la vraie conversion, qui est celle de reconnaître Dieu, qui nous découvre au milieu des terres d'abandon où nous nous sommes isolés, et qui nous ouvre le chemin du retour, qui nous rend à nouveau capables d'entrevoir la patrie. Et comme tout voyage bienheureux, la joie du terme se goûte pendant la marche. Et donc nous marchons dans la joie, dans les champs, parce que nous qui étions perdus, nous qui étions prisonniers du monde ancien, le Seigneur vient nous sauver. Alors frères et sœurs, préparons les chemins de celui qui vient. Rendons droit ces sentiers que bientôt nous connaissions l'intense joie des retrouvailles. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine!